Jmenuji se Eva Zažímalová, jsem Češka, jsem Evropanka, jsem biochemička a v současné době jsem předsedkyní Akademie věd České republiky. Elle ne craint ni le challenge, ni le sexisme. Eva Zazimalova avance d'un air déterminé. Elle est la présidente de l'Académie tchèque des sciences à Prague. Une grande responsabilité, car elle regroupe 54 instituts de recherche publique et environ 8000 employés, dont plus de la moitié sont des chercheurs. Elle m'a raconté que quand elle est devenue présidente de l'Académie il y a 5 ans, un journaliste lui a demandé « Comment allez-vous vous en sortir en tant que femme ?» Elle lui a répondu « Avez-vous posé la même question à mon prédécesseur qui était un homme ?» Voici son message à notre attention. Ženy tvoří 50% lidské populace. Pokud nebudou mít stejná práva a stejné příležitosti jako všichni ostatní, tak tím ztrácí celá populace. Já doufám a věřím tomu, že ve 21. století už ženy rovné příležitosti a rovná práva mít budou a že obrana ženských práv tím pádem bude bezpředmětná. Eva est aussi une biochimiste brillante. Ses travaux de recherche portent principalement sur les hormones végétales. Ses résultats ont trouvé des applications à l'international, dans l'agriculture notamment. Pour définir l'Europe, elle a choisi ce mot. Partnerství. Pour elle, la seule possibilité d'avancer, c'est de travailler à plusieurs, main dans la main. Eva Zazimalova m'a marquée par sa détermination et sa joie de vivre. C'est communicatif, vous ne trouvez pas ?